mal. C'est cette méchanceté gratuite ailleurs des peuples, bien que d'autres aient commis des actes parfois abominables, on dit non, pour nous-mêmes, c'est chez nous ici on l'a fait. Nous, aujourd'hui, après plus de 50 ans, on dit que nos magistrats sont incapables. Et puis, il y en a qui sont contents. Moi, vous me l'aurez rendu. Moi, prof, en son temps, je dis des profs, ils vous donnent la craie. Prenez et puis faites. J'allais faire autre chose. Mais, vous savez, il y a moi et puis il y a les autres. Et je sais que je suis moi. Humblement, on peut faire ce qu'on peut. Donc, je dis la condition du retour de Babou. Je ne suis pas d'accord qu'un Ivoirien déporte un autre Ivoirien, quel que soit ce qu'il peut lui reprocher. Pourquoi? Pourquoi l'éloigner? Mais voilà le solde, la déportation, là, c'est ce que le peuple vient de sanctionner cette politique. Une mauvaise gouvernance, une gouvernance dangereuse pour l'équilibre de ce pays. C'est parce que les Ivoiriens sont des gens qui ont une culture, quel que soit ce qu'on peut nous reprocher. Nous sommes pour qu'on puisse vivre. Et quand on dit vivre ensemble, là, ce n'est pas chez les autres. On vit ensemble partout. On vit ensemble partout. On l'a démontré. On n'a même pas besoin de faire des dessins. Mais malheureusement, les gouvernants ne comprennent pas ça. Et il y en a qui ont le sentiment qu'ils ont le monopole, hein, soit de la violence, on tabasse, on casse. Jusqu'à quand? Je dis pour terminer, nous là, nous avons arrêté, mais un pouvoir là, c'est lui qui trouve les mécanismes. Au lieu d'aller chercher des intermédiaires, Miaka Ouetou est là, Laurent Akoul est là, voilà la direction du FPI, elle est là. Mais on peut envoyer, on sait comment on fait. Babo Laurent, c'est pour ça qu'il n'aime pas ce monsieur-là, parce qu'il est fort, ici. Et dans l'histoire aussi, il sait ce que ça veut dire gérer. Gérer un pays, c'est faire des concessions si nécessaire. Babo se rendait chez les uns et les autres, parfois, nuitamment, seul ou accompagné de quelques-uns d'entre nous, pour aller dire, ah, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Et la morgue, parce qu'ils ont des parrains. J'ai dit, les parrains ne sont pas là tout le temps. Un tôt ou tard, le parrain, il est à d'autres réunions. Vous allez faire comment? Apprenez à discuter avec nous. Nous sommes là, venez. C'est à vous de venir, on vous interpelle. Nous vous disons, on ne parle plus avec vous. Et puis vous faites comme si vous êtes... Vous donnez des coups à un gamin, il se fâche, votre propre gamin, et puis vous dites, oh, il va faire sa fibre. Mais c'est vous qui allez avoir mal. Nous, là, on ne gouverne pas la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, nous n'avons ni armée, ni police, ni trésor, ni douane. Non, je ne suis pas ça. Sur cette base-là, concrètement, qui doit chercher à rencontrer? Non, bon, écoute, fiston, calme-toi. Bon, je pense que tu t'es un peu trop emporté que j'ai dû faire ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment? Eux, non seulement parce qu'ils nous oppriment, ils nous blessent, mais ils sont gonflés. Alors nous devons aller à Canossa pour acheter des illusions. J'espère qu'ils comprendront l'expression dans l'histoire de la chrétienté. Quand on allait à Canossa, parce que c'était chez les papes, c'est pour aller payer pour se faire remettre ses péchés. Nous, on va aller payer ça. C'est bon. Voilà pourquoi je dis, le dialogue, nous, on l'a volontairement interrompu pour les interpeller. Parce qu'ils ont osé jeter le bouchon trop loin en déportant nous, là, celui qui représente notre symbole. On n'a pas fait ça à M. Ouattara. On n'a pas fait ça à M. Ouattara. Et il n'a pas le droit de faire ça à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous avons tout rompu. Je voudrais vous remercier et dire que je suis tout à fait prêt à prendre quelques questions et puis je vais boire un coup. Merci. Vous disiez, même les chiffres que des conseils généraux en 2002, 28,01%, alors que tous les partis ont participé à cette élection. Avec 6,26%.
et avec le boycott qu'il y a eu pour cette Mali. C'est toujours, hein, il y a toujours un risque, mais c'est que les conditions pour notre retour dans le jeu électoral seront des conditions négociées. Nous avons demandé qu'il y ait toujours ces consultations que les tenants du pouvoir actuel perçoivent comme étant une forme de leur imposer quelque chose. Rechercher des règles d'un jeu qui soit un jeu consensuel, ce n'est pas imposé. Demander qu'il y ait le principe de l'équilibre au sein de la commission électorale, ce n'est pas un dictat. C'est au contraire dans l'intérêt de ce pays, parce qu'on se rend compte que seul, il ne peut pas gouverner ce pays. Et ça, s'il oublie, ce n'est pas grave. Mais notre rôle en tant qu'opposition, qui sommes ancrés dans la transition pacifique, nous avons le devoir de donner l'alerte, c'est-à-dire d'annoncer qu'il y a des dangers à l'horizon. Autant qu'ensemble, on s'asseye pour... Donc, notre retour ne serait peut-être pas un piège dans lequel nous allons retomber. Nous ne voulons pas de piège. Dites-vous, M. Débailly, que c'est... l'un des rares pays africains, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays africains dans lequel c'est l'opposition d'hier qui était majoritaire au sein de la commission électorale indépendante. Si on avait peur là, du jeu, là, est-ce qu'on allait le... On n'avait pas peur. C'est la faute. C'est la faute. Et surtout le coup de force qui explique cette situation. Si donc quelqu'un qui est... Moi, quand je suis majoritaire, là, je vous assure, hein, quand je vais à l'épée, là, je me promène. Et puis je ne dis pas, on dit pas à coup, non. Mais on sait. On dit, ah, c'est lui. Ceux qui sont maintenant sortis, qui sont dans le peuple. C'est le peuple qui les a. Ouais. Ils vont dans le peuple. Depuis 2002, je connais quelques-uns parmi eux, c'est toujours des gens postés, même pour aller au marché. Moi, je vais au marché. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un citoyen qui m'en veuille au point de vouloir me oxyre, prendre un vieux français. Voilà. Je pense, et c'est pour ça que nous le disons, c'est lorsque notre leader moral prend le pas sur ce qui est essentiel qu'on a peur. Sinon, pourquoi? On dit bien que c'est un jeu. Le jeu électoral, si c'est un jeu, il y a un arbitre qui est censé être impartial, mais moi, je joue. Si les règles sont telles que j'ai perdu, je dis OK. Mais c'est quand je ne suis pas convaincu que j'ai perdu que je peux contester. Mais même si je conteste, est-ce qu'on doit finir par prendre des sabres, et puis comme à l'époque, en garde, et puis on se dit non, je ne pense pas. Moi, je pense que ce n'est pas juste. Ça, c'est la laideur morale qui amène vers ces solutions-là. L'aideur moral, c'est le mot qu'on appelle la tiépitude. C'est simplement ça. J'estime, pour ma part, que aujourd'hui, nous voulons, et nous le répétons, aller à toutes les consultations dans ce pays. Mais qu'on s'asseye, qu'on débatte des conditions de sécurité, des conditions techniques. Et en ce moment-là, le pays, il va reprendre. Il n'est pas condamné. Mais s'il y en a qui pensent qu'ils ont des parents si puissants qui peuvent souffrir seulement de faire subir aux autres, je ne sais pas. Moi, je n'ai rien connu d'autre que de prendre ma langue et de parler. Évidemment, comme le dit Ésope, c'est la meilleure et la pire des choses, quoi. Elle dit de bonnes choses parfois, mais aussi elle dit de mauvaises choses. C'est possible. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Donc, au total... Nous voulons simplement qu'on s'asseye, qu'ils osent prendre langue avec nous. Nous, là, nous avons osé, c'est nous qui avons demandé, couru après M. Ouattara, depuis mai 2001, au moment où on pensait qu'on était enterré. Il y en a même qui voulaient qu'on nous... Bon, bref, ça c'est un épisode. Mais nous sommes là et nous restons dans le cadre de la République et nous l'appelons M. Ouattara. Ce n'est pas notre ami. Ce que nous voulons simplement lui dire, on ne lui demande pas de nous aimer.
On lui demande simplement de tenir compte que nous sommes l'un des partis qui compte en Côte d'Ivoire et c'est avec nous qu'on va faire la démocratie. Et je ne voudrais vraiment pas qu'il prenne ça comme un outrage. Au contraire, c'est parce que nous reconnaissons qu'il est là que nous voulons discuter avec lui. Mais si lui ne le comprend pas, bon, comme on dit à l'impossible non tenu, nous allons rester dans notre petit coin. Et puis bon, il va développer la Côte d'Ivoire. Vivement que les milliers arrivent et puis on va voir. Voilà. Dis merci. Merci à mesdames et messieurs les journalistes, aux amis de la presse. Notre message ce soir voulait simplement dire notre part de vérité lorsque cette espèce de polémique sur le taux de participation a commencé à ronfler. Sinon, on n'aurait pas du tout. C'était ça, c'est la raison. La deuxième raison, c'est parce que nous estimons que c'est la Commission nationale indépendante. Même si nous refusons ceux qui sont là, ce n'est pas une raison, c'est une institution. C'est ça la différence que beaucoup ne font pas dans l'opposition qu'ils représentaient. Nous, l'institution, elle la respecte parce que demain, nous voulons prendre ça. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, nous attendions que l'institution donne les résultats et ne fasse pas une fuite en avant comme c'est le cas. Et qu'on nous enferme dans un jeu de manipulation, nous ne le tolérerons pas. C'est pour ça que nous avons dit. De notre point de vue, à ce jour, le taux de participation est de 14,33%. Maintenant, tu dis le contraire, et puis on va faire les débats. En fait, le fond, c'est de dire au gouvernement, à M. Ouattara, que les conditions pour que nous reprenions l'angle qui libère nos camarades, ici et maintenant, on arrête tout ce qui est l'avenir. C'est lui qui a décidé, ce n'est pas l'extérieur, ne sait pas, c'est l'Union européenne. Mais à partir de l'Union européenne, on va aller ensemble pour faire ça. Et enfin, et surtout, ce que nous lui demandons, Babo, il n'est pas l'ennemi de quelqu'un. Nous voulons simplement qu'il y ait un peu d'humanité et qu'on ne le traîne pas comme on le fait. Voilà. Cela fait que c'est difficile de recoller des morceaux inutilement. Nous voulons aussi qu'ils se ressaisissent par rapport au dossier de Babo, mais nous-mêmes, comme nous comptons sur nous, dans nos bases, pour faire entendre nos voix, peut-être pas forcément en Côte d'Ivoire, mais hors de Côte d'Ivoire, pour que Babo revienne à notre vie. Voilà ce que nous voulons dire à propos de la vie. Merci.